Salut les guys, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais faire une petite recette et j'avais envie de vous emmener dans ma cuisine pour faire une sorte de get cooking with me ou quelque chose comme ça. Je verrai comment j'appelle cette vidéo. Mais j'ai fait le tour un peu du livre de Otto Lenghi ici, qu'une amie m'a offert pour mon anniversaire l'année passée. Et il y a une recette de salade de quinoa au citron noir d'Iran. Alors je n'ai pas de citron noir d'Iran, mais du coup je vais adapter un peu avec ce que j'ai. Et dans la recette, du coup, je vous montre, il y a des patates douces, du riz basmati, du quinoa, et il y a aussi de la feta normalement. Mais du coup, comme j'ai pas de feta et que j'ai du tofu dans mon frigo, je pense que je vais un peu twister la recette. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a de la menthe, des oignons verts, toutes des choses que je n'ai pas. Mais comme je vous dis, voilà, on va faire avec. Alors ici, j'ai du quinoa. C'est du quinoa graines de curry belge, je pense. Ici, j'ai du riz basmati, patate douce. Je vais aller prendre le tofu. Le tofu ici que ma soeur a acheté. C'est un tofu emballé qui vient d'un supermarché dans lequel je ne vais jamais. Mais voilà, confinement oblige, on a fait les courses pour moi, donc voilà, c'est très bien. J'ai un gros bloc et là je vais enlever l'eau. Donc l'astuce pour le tofu, c'est vraiment d'essayer d'enlever un maximum l'eau pour éviter que ce soit trop mouchi-mouchi, comme ça, comme j'appelle. Et du coup, vous pouvez les faire frire à la poêle et là, ça donne un coup croquant trop bon. Vous pouvez rajouter aussi plein d'épices. Vous pouvez aussi le faire mariner dans du tamari au préalable avec un peu de citron. Mais moi, je vais aujourd'hui juste le découper en cubes et le faire frire à la poêle, je pense, avec beaucoup de poivre et du sel. Je pense que ça peut être très bon. Il me reste ici des petites graines de tournesol que j'avais fait revenir à la poêle comme si c'était des pignons de pain, donc avec un peu d'huile d'olive et du sel. Le fait d'ajouter de l'huile d'olive, ça fait que ça croustille beaucoup plus et c'est vraiment bon. Donc essayez avec un peu de sel, ça change tout. On fait avec les placards, enfin ce qu'il y a dans les placards, et du coup j'ai encore un peu de graines germées que je vais rajouter par dessus, et puis je vais voir au fur et à mesure de la recette comment je vais faire pour improviser. Alors on va faire ça ensemble. Je vais d'abord découper mes deux patates douces en petits cubes et du coup il faut le mettre au four à 200 degrés pendant 20 à 25 minutes. J'ajoute une petite note par rapport à l'huile. L'huile d'olive, quand elle est extra vierge, on ne peut pas la chauffer normalement à plus de 160 ou 180 degrés. Donc là, idéalement, il aurait fallu mettre de l'huile soit pas extra vierge, soit de l'huile de coco. Mais voilà, moi je préfère le goût de l'huile d'olive. Et voilà. Parfois, c'est pas grave, hein. C'est pas grave pour une fois. Sauge que j'ai acheté en vrac et j'ai pas d'origan, donc je vais mettre des herbes de Provence que je vais faire revenir un peu dans l'huile d'olive à la poêle, puis après j'ajouterai mes petits dés de tofu. Je vous retrouve deux jours après avoir fait cette petite recette pour vous dire que je vais rajouter de la menthe et du persil que j'ai trouvé chez mon légumier l'autre jour, parce que je crois que ça manquait quand même de quelque chose avec les ingrédients que je n'avais pas. Donc là j'ai découpé
le persil plat et la menthe, et je pense que ce sera meilleur. N'hésitez pas à assaisonner, mettre un peu plus de sel, un peu plus d'huile d'olive, et ouais, mettre peut-être un peu de zaatar aussi pour donner du goût. Mais c'est vraiment un chouette plat, par contre c'est super bon et super réconfortant. J'espère que cette vidéo Cook With Me vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Milena. Je poste des vidéos sur des recettes saines et principalement avec le moins de déchets possible. Et je poste aussi autour de l'écologie, autour du bien-être, etc. Donc si vous ne me suivez pas encore, suivez-moi, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous faites vous comme recette et ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Et il y a aussi une autre vidéo sur ma chaîne que j'ai postée hier, c'est la vidéo sur le yaourt de coco fait maison. Donc je vous conseille vraiment de le faire, ça coûte rien, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et c'est super facile. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, des recettes j'espère. D'ici là, profitez de la vie, soyez épanouis. Bisous bisous, ciao ciao.